Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où nous explorons les traces fascinantes laissées par l'Empire romain dans notre civilisation contemporaine et des vestiges du Moyen-Âge. Aujourd'hui, nous nous aventurons dans une ancienne carrière romaine et découvrons les ruines d'un ancien gibet sur le mont Justicier, ainsi nommé en raison de son passé sombre, où l'on pendait des criminels. Accompagnez-moi dans ce voyage à travers le temps et l'espace pour découvrir ces vestiges intrigants. Notre première escale nous conduit à une ancienne carrière romaine, un lieu où les Romains exploitaient habilement les ressources naturelles pour la construction de leurs majestueux édifices. Les carrées romaines ont fourni la pierre nécessaire à la construction de célèbres monuments tels que le Colisée et le Panthéon. Aujourd'hui, ces carrières abandonnées témoignent de la grandeur et de l'ingéniosité de l'Empire romain. Poursuivons notre exploration jusqu'au mont Justicier, un lieu chargé d'histoire et de mystère. Ce mont tire son nom depuis le Moyen-Âge, du fait qu'il servait de lieu d'exécution où les criminels étaient pendus en punition de leurs actes. Les ruines du gibet sur le mont Justicier nous rappellent la rigueur de la justice et la manière dont elle était administrée pour maintenir l'ordre. Pour mieux comprendre l'importance de ces vestiges, plongeons-nous brièvement dans l'histoire. Au Moyen-Âge, la justice était souvent expéditive et utilisait des symboles forts pour dissuader la criminalité. Le mont Justicier était un lieu redouté, incarnant la sévérité de la justice. En conclusion, notre exploration nous a permis de découvrir deux aspects fascinants. Les carrières romaines, qui ont fourni les matériaux de construction pour les monuments emblématiques, et le mont Justicier avec ses ruines de gibet, rappelant la rigueur de la justice de l'époque. Ces vestiges nous offrent une fenêtre sur le passé, rappelant que même des millénaires plus tard, l'empreinte de l'Empire romain et la justice du Moyen-Âge demeurent ancrées dans notre paysage et notre compréhension de la civilisation. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. A très bientôt pour de nouvelles aventures historiques. Tchou tchou.